C'est Fireflame et Oliver Plasma. Bienvenue pour une nouvelle partie de The Silent Team. Salut Fireflame et salut à tous et à toutes. Oliver Plasma est à la manette pour battre ce boss qui nous a tant fait souffrir dans la partie précédente. Déjà, pourquoi je suis bloqué ici? Ah. Voilà. Ah mais en fait c'était le Black qui était devant. Oui. On va passer à la cinématique qui est un peu raciste. Voilà. Surtout parce que c'est toujours les Noirs qui meurent en premier. Ça c'est chier. Chut, chut, chut. Oliver. Holiday là, je sais pas qui c'est Holiday. C'est la Barbie. En fait, tu devrais conserver tes balles jusqu'à la fin. Comme ça, à la fin, tu pourrais bien le viser. Et prends ta dague. Parce que la dague, t'es plus rapide à foutre des coups. Prends la dague. Ah, j'ai fait cercle une fois, mais il a réussi à faire deux esquives. T'es plus rapide avec la dague. Prends la dague. Ok. Prenez la dague, Oliver. Déjà, comment on court? Voilà. L1. Là, 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 là. Kung Fu. Putain, j'arrive pas à aller derrière. C'est pas possible. Mais déjà devant, tu lui infliges des dégâts au début. Non, c'est pas ça. À chaque fois, je me plante. Carré. Ça fait du bien. Et purée, sans faire exprès, j'ai pris le fusil à pompe. C'est magnifique. Mais oh, c'était quoi cette prise? Mais là c'est bug quand même. Et je me rappelle, il y a eu un bug avec un spider une fois, il était resté bloqué, on a pu le tuer facile. Vous vous rappelez Oliver? Il faut que ça fasse ce bug. Priez pour que ça fasse ce bug. Allez. Ouais. Ça met 3 pompes. Oh, c'est esquive. Purée. Le petit ralentissement quand Ricky va bien. Oh yeah. Allez! Allez! Mais qu'est-ce que t'attends là? Mais j'avançais, mais j'étais en mode garde! Donc il avançait pas vite! Allez, petit coup dans les mamelles! Et je suis sûr qu'il va faire son. Voilà! Ah! Vite! Quel esquive! En fait, c'est l'attaque de merde ça! Si t'es éloigné, c'est. Mais souffre! Oui, connasse! Souffre, souffre, souffre! Allez, vas-y! Vas-y, prostitue-toi! Vas-y! C'est trop ça en plus! Oliver, va falloir donner tout là. Allez, vas-y, le doigt, faut le muscler, ok? Musculation du doigt. A chaque fois, il fait cette attaque là après, et puis après, il crache. Mais sauf que là, je peux pas trop aller plus loin. Putain. Prends la vie, ouais. Et après, tu prends le flingue. Prends le flingue. Tu peux l'avoir. Ce ralentissement avec le flingue, prends le flingue. Prends le flingue, prends le flingue. C'est tellement beau quand je joue! Regardez la technique. Fou. Ah, là il va tourner. On dirait à chaque fois je sais. En fait à chaque fois il fait le même ordre. Enfin en tout cas quand il fait son attaque de fou. Allez souffre. Mais souffre, mais crève. D'accord. Prends ton flingue. Non mais ce sera pas terrible. Contre un ennemi comme ça, vaut mieux pas. Je suis sûr que ça va pas lui faire grand chose quoi. Allez, vas-y, souffle, vas-y. Allez. Oh. Oh. Allez, va mon corps, yes. Purée, en plus c'est un dinosaure quoi. Il fait le même bruit qu'un dinosaure. C'est ouf. L'esquive de fou. Ouais, il va cracher. Non, même pas. C'est un nouvel ordre d'attaque. Ah non, c'est bon, il recrache. Il fallait qu'il se purge. Bon d'accord, bon bah ça c'est facile. Mais je sais pas si on le fait mal en fait quand on fait ça. Parce que j'ai pas l'impression. Esquive. Bon finalement, quand il fait ses attaques là... Un peu pourri. Moi je te dis prendre ton flingue. Parce que devant tu lui fais mal aussi. Oh l'esquive. Attends, faut déjà que je me place mieux là avant qu'il crache. Mais avec cette caméra de merde. On va. Merde. Au moins que t'essayes de l'avoir encore par derrière. Ça pourrait être intéressant. Tu vas souffrir, tronche de cake. Il va faire son attaque, mais je me suis reculé.
récupérer. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mais faut courir avant, Oliver. Mais il court pas, ce con. Voilà, il esquive comme dame. Purée, non, pas ça. J'ai pas trop de place là. C'est tellement ridicule, on dirait deux autistes qui se combattent. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Mais c'est quand qu'il crève? C'est pas possible. J'en ai marre de jouer à la corde à sauter là. C'est quoi ces développeurs psychopathes là? Ils lui ont mis combien d'HP? C'est pas possible. Bon, encore esquive. Il avait craché. Bien. Le crachat de Dieu. D'accord. En fait, c'est quand elle tombe sur nous là. Il faut esquiver à droite ou à gauche, comme ça on pourra la contourner. Oui, nous sommes déjà à 5 minutes. Oh yeah. Oh. Oh. Pourquoi ça me dit de faire carry une fois, plusieurs fois là? Allez, voilà. Oh yeah. Oula, oh, il la chevauche. Oh, là je pense que on passe à la pénétration. Excusez-moi. C'est bon. Je me suis vidé. Quelle chance. Josh. Ah, il est choqué par... Attends, Josh. Il est choqué par l'attitude de son frère à côté. C'est pour ça. Il avait vu ce qui était réellement la vie. C'est vrai que pour une première expérience sexuelle, c'est torride. N'est-ce pas, Oliver? Oui, on voit que dalle. Et heureusement... Chargement. Allez, chargement, parce que là, le jeu, il charge Josh. Attention. Il charge une petite cutscene avec Josh. Attention. Je pense que... La cutscene qui va durer 3 secondes. On a changé de niveau, là, en fait, je pense. Surtout, oui. On va être dans du brouillard, comme d'hab. On va être dehors, dans le brouillard. Avec des chiens. Avec des chiens. Et des serpents qui rampent. Incroyable. C'est l'église. Mais... C'est le château de Dracula. Y'a plus qu'à mettre la musique de Castlevania, là. Chasseur de vampires. Je pense que tu peux aller voir Josh. Il est tellement choqué qu'il parlait au sol. C'est quand même incroyable. Alors encore ça, non, pas cela. Est-ce qu'on utilise le flingue ou pas? Oliver, vous connaissez la hache? Le contour. Prends la hache. Oh, mais il y a des petits effets météorologiques. Ah mince, il y a aussi ça à faire tourner. Pour passer par là. Tu le. Bon, il va pas vite. Allez. Et en fait, il y avait pas d'énigme. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup de leviers. Beaucoup de valves, de leviers partout. De vannes et. De vannes. Avec des puzzles, des. Des vannes, oui, des blagues. Tout à fait. Il y a des ronces. On peut pas ouvrir parce qu'il y a des toiles d'araignée, oui. Non, c'est le décor, Oliver. Vous êtes dans le décor. C'est des ronces, là? Non. C'est le barbelé. C'est tellement moche. Vous êtes dans le décor, là, Oliver. Je peux pas passer. Oh là là. Cette esquive de fou. Mais il faut aller où, en fait, là? Il y avait pas un escalier à gauche, là, au fond? Bah, si, ça. Non, en face. Non, il y a rien. Bon, il vomit ses tripes. Ce jeu est fatigant. Mon Dieu. Bon alors, par là, je sais pas moi. Non. J'en sais rien. Ou alors faut tuer les ennemis. Peut-être. Allez, prends le flingue au pire. Ouais, mais t'as plus de balles. Faut d'abord attendre qu'il crache les tripes. Ah ouais. Il a fait son intégration. Non, mais ils sont faciles à battre ceux-là. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Je prends pour qui? On n'est pas dans la banlieue, là. Il est parti, ton gang. Ok. Je me crois ils sont deux. Non, mais pars, casse-toi. Oh. La roulade toute pourrie, à la fin. Eh, mais t'as une porte, là, non? C'est des tuyaux. C'est quoi, ça? Une porte. Non, non, c'est des tuyaux qui ont été... Oh. Incroyable. Alléluia! En fait, ça donne que un quart de la vie. Hein.
il y a de la lave, ou... De toute façon, tu peux monter dedans, tu pourras pas tomber. Ou le fond d'autocad en jaune. D'accord, je sais pas ce qu'il faut faire. Oliver, laissez-moi les tuer. Ok. Je suis... Tu veux les tuer? Bon bah, prends le flingue. Et tu peux les enfermer aussi, si tu peux refermer le truc. Je sais pas. Tire! 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 Putain, il est enfin mort, quoi. Mais, purée, c'est des sacs à HP. Ok, j'ai plus de balles. C'est quoi ça? Faut 10 balles pour les tuer. Vite, ouvrons. Vite, relève-toi. Je sais pas quelle touche c'est. En fait, fallait plus qu'un coup. Et là, je débloque quoi? Tu débloques la reconnaissance du jeu. Ouais. Rien du tout. Vu la qualité du jeu, je suis... enchanté. À droite, je sais pas. En fait, on peut même pas passer sous les tuyaux. En fait, cet escalier, attends, sert à quelque chose. Monte l'escalier, et peut-être que maintenant, on peut ouvrir la porte. Ah. En fait, fallait tuer les ennemis pour pouvoir ouvrir la porte. Mais ce jeu est complètement pas réaliste. Putain, mais encore un putain de chargement. C'est les énigmes à la Zelda, là. Tuer des ennemis, mais sauf que là, ils te montrent même pas que la porte est ouverte, quoi. Zelda, il te montre au moins que la porte s'ouvre, quand on tue les ennemis. J'espère qu'il y a des trucs comme des boissons ou des munitions, surtout. Se baisser. Ah mais il peut ramper, non, même pas. Ah non, il est observé par personne, mais il a pas envie de se taper la honte, hein, de ramper par terre. Quand même. C'est une statue portant quelque chose, je n'arrive pas à voir l'expression du visage. On dirait qu'il manque quelque chose. Bon ben... On dirait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, chose à chercher. Quelque chose de mystérieux. Une énigme encore. Fais chier. Non, ce n'est pas une énigme. C'est une grande aventure auquel nous prenons part. Avec des temps de chargement. Infini. Et pourquoi tu ressors? À gauche, à ta gauche, il y avait un autre passage où il faut se baisser. Baiser, oui. Baisser. Ah oui. Se baisser. Mon dieu. Hop. Il n'y a aucun moyen de l'ouvrir, elle doit être contrôlée quelque part. Par un méchant, pas beau vaudou. Un méchant, papy Mougeot. Baiser, oui. Ou un magicien vaudou. Mon dieu, mais est-ce que la clé est dans l'étoile d'araignée? Dans les barbelés? C'est tellement moche qu'on sait pas trop ce que c'est. De loin, on dirait des médocs, mais en fait, c'est des lumières. Voyons, il y en a beaucoup des médocs. Bon, allez, j'ai une lumière, je vais me... Le rideau en 2D. Examinez. Ah, quelle belle création. L'orgue. Je me demande quels sont... Ça faisait. Attends, il y a quelque chose ici. On dirait un autre. Une autre ennemie. Ah, le couteau magique. La magie du couteau, magique système. T'es pas obligé de chanter. Non, mais c'est la magie vaudou du couteau, c'est pas rien. Je comprends pas. C'est à cause de ça. Oh, c'est à cause de ça qu'on était bloqué à un moment. Munition de fusil de chasse. Tu comprends? Oui. Oh, j'en recule. C'est pour ça qu'il te donne des munitions de fusil de chasse. C'est... Il a du mal à placer sa tête... Il a du mal à tenir sa tête. Hein. En même temps, c'est une hache, hein, c'est un peu lourd. Une hache à double tranchant. Dans le cul, ça fait toujours du bien. C'est quand qu'il crève en fait? Merde. J'espère qu'il n'y en a pas deux, je suis mort. Le gros problème dans ce jeu, c'est que les combats sont un peu trop longs, les ennemis ont énormément de vie. En fait, je pense que c'était de l'autre côté, non? Et on va pas dire tous les problèmes, il y en a beaucoup. Non, c'était pas là. J'espère qu'il y a une maison de vie quelque part par là. Non, c'est juste en face. Quelque part dans ce monde si ténébreux. Si hostile! Si moche. Si mystérieux. Si vide. Si pixelisé.
Pixelisé. Oui, parce que c'est des petits pixels. Merde, j'attends quelque chose qui me plaît pas et... Ennemi, ennemi. C'est un endroit tout petit, alors je pense que je vais même pas réussir à me tourner. Alors, il y a une échelle. Non, une... les escaliers. Ouais, il s'approche, il se rapproche. En fait, non, c'est juste le son. De toute façon, le jeu est scénarisé. Tu peux recharger déjà. Fais comme si tu tires, ouais, ouais, c'est... Tu me prends pour un con. Oui, tout à fait. Il y a un médoc dedans. Mais je ne sais pas quoi. Bah, trouve ce que c'est. Je vais dire je ne sais pas quoi. Ah. Ah, il y a un truc à tourner. Ah, voilà. Ok, c'est quoi qui est sorti? Une crotte? Non. Oh, ah, encore ces trucs-là. C'est quoi ce machin? Attends, tu crois que je vois quelque chose? Mais pourquoi il n'y a pas de QTE pour les enlever hein? Mais là... je suis mort. En fait, on voyait même... on voyait rien du tout. C'est ça le pire. Ok. On ne voyait que l'ombre de nous-mêmes. Encore un chien. Ils aiment bien les chiens dans ce jeu, quand même. Même si on n'a pas tant que ça. Il y a plus de spiders. C'est l'ennemi le plus utilisé de Silent Hill. I'm coming. C'est aussi le seul ennemi qui est technique. Non, c'est la petite dague, voilà. Pour bien pénétrer le centre. Oui. L'orgue. Quelle belle création, oui, on peut passer. Merci. Ah, on peut passer ça. Je le fais si bien. On n'est pas dans Luigi's Mansion. Oui, c'est vrai que ça aurait fait ce bruit-là dans Luigi's Mansion. Nous avons notre pote. Prontage. Toujours aussi beau. Non. Non, avec le couteau, tu fais plus de... tu fais des dégâts plus vite. Oui, et puis la hache, elle a une puissance de merde. Faut savoir. On peut croire qu'une hache comme ça, c'est puissant. Regarde-moi ça. Ça c'est mieux, il souffre, la hache il perd presque rien. Okay. Même si j'ai des munitions. Même si j'ai joué comme un gros bolos, c'est que j'ai presque plus de vie. Et ça c'est pas grave. Munitions, fusil de chasse. Voir les moucherons qui te colleront dans la gueule. Luminosité de feu, lance-flare. Effet de lumière. Next-gen. Next-gen. Il va à deux alors. Quand il est blessé, il va à deux. Beaucoup de vie. Oh, ça a l'air beau, ce tableau magnifique. Qui ne représente rien. Pixel. Pixel art. Le logiciel qui te permet d'améliorer les pixels dans vos jeux Silent Hill en bénéficiera. Voilà, nos copains. Le copain. Petit copain les insectes. On voit que dalle. Un petit info. Sinon, les éclairs verts. Et tu perds la vie petit à petit. Quoi? T'en as un sur toi. Comment on le barre là? Comment le truc? Il t'a endormi. D'accord. Il m'a endormi. Elle m'a tué surtout. Il m'a endormi. En fait, une fois que t'es contaminé, t'es obligé de mourir. Une fois que t'en as un sur la gueule. Non, mais de base, il nous mettait un QTE là pour pouvoir l'enlever. Pourquoi ça ne met plus? C'est un bug. Oliver, quelle heure est-il? Il est... non, là c'est pas l'heure. Il est 15h27. Pourquoi? Parce que le temps défile. Mais nous, le temps, nous ne vaincons pas. Nous devons vaincre. Pour nous progresser. Finir ce jeu, oui. Magnifique bruitage. Ce que j'aime pas, c'est qu'on peut faire que des roulades et on peut pas sauter. on peut faire des roulades et on peut juste sauter. J'imagine trop l'animation du personnage dans GTA quand même. De quoi? Comment il saute. Avec le magnifique. Ça serait aussi ridicule que dans un FPS. Salut ma belle, je t'aime. J'ai envie de t'épouser, mais je suis obligé de te tuer. Moi, ça y est, j'ai vu le faire un câlin.
Écoute, je sais que t'es très calinou, moi aussi. Mais j'aime bien ton cul. J'ai besoin de ton cul pour progresser dans la mission. Ok. Ne sois pas fâché, je suis ton père. John Padawan. Je suis aussi ta mère, car j'ai les deux sexes. D'accord. C'est des commentaires un peu inutiles, je l'avoue. Oh, c'est un peu différent les commentaires dans Star Fox Adventures. Ils sont un peu plus matures. En fait, là, j'ai presque plus de vie, donc je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais devoir faire ça. En fait, il faut peut-être monter l'escalier avant pour les tuer. Pour les tuer ? Mais non, mais ils sortent pas de là. Ils sortent du... T'es sûr ? Du truc qu'on ouvre, là. Ils sont là-dedans. Hey, est-ce qu'on peut les tuer au travers ? Non. Ce jeu est tellement mal programmé que je pense qu'on peut. Oui, en plus, on peut. Il a fait le geste du pied, là. Comme s'il avait un ennemi à côté. Non. C'est là que ça va être chaud. Allez, la puissance du chaman. Ah, mais pourquoi... Comment on les enlève déjà, en fait? Ah, voilà, c'est un QTE. Ah. Sauf que là, j'ai plus de vie. Sauf que les QTE, ils arrivent pas direct. Putain, mais... Les bruitages sont nuls. Tiens. Manet, ça fait la même chose. Chargement en cours. Nous sommes déjà à 21 minutes. Nous avons vaincu... Le boss qui ressemblait à rien. Et maintenant, nous allons vaincre, mais nous sommes bloqués par des moucherons. Nous sommes maintenant bloqués par des petits insectes de merde. Comment va-t-on faire ? Fireflame va-t-il méditer ? Comment va-t-on battre les cafards ? En fait, faut pas perdre trop de vie à cause du capricorne. Enfin, du mec bizarre. La hache ? La tête de pioche, là. Tête de hache, là. Bah on va l'avoir à coup de fusil de chasse. Intelligent. Quelle belle création. Oui, on sait. Maintenant. Ce qui est bizarre, c'est que on peut l'utiliser le couteau en ayant le fusil de chasse là, alors qu'avant, pour ouvrir les portes, on était obligé de s'équiper le couteau. Petite explication. Attention, vous m'embrouillez, Oliver. Et maintenant, il va plus sortir comme par hasard. Ah si. Oh. D'accord. En fait, il est hyper puissant, mais face à des moucherons, je pense que ça sert à rien de l'utiliser. Ouais. Des cafards, ça s'appelle. On est presque déjà à une demi-heure de vidéo. C'est pas trop vite. On patine. Et oui, il patine, là. Pourquoi je suis bloqué ? C'est une chaise qui te bloque. Ah, mais c'est complètement con. Pardon, mon dieu! Pardon, la chaise! Mais pourquoi on peut pas sauter? Ce jeu est irréaliste! Attends, il y avait marqué un truc là. Alors, examinez, on dirait des trucs. La chaise! Oh, je peux pousser la chaise! Mais quelle physique magnifique! Le problème, c'est que ça marche une fois sur deux. Écoute, si on peut soulever la chaise, ce jeu a eu un Oscar. Ça serait énorme! Là, par contre, tu fais gaffe. Il va pas y avoir de QTE comme par hasard. Écrase-le avec ton pied. Pour une fois qu'on aime les QTE. Hop. QTE. Attends, QTE. C'est pas R1, non, c'est pas ça. C'est comment on fait pour que. Mais normalement, le QTE, il se déclenche automatiquement. Oui, c'est quoi ce bug? Ah si. T'as fait rond? J'ai fait rond. Ouais. Prends le truc qu'il y a dans. Waouh. Oh, cet effet de flou. Mon dieu, plus flou que ça, tu vois. Oh, mais c'est moi. Je chope pour une salle de bain. De lui-même dans notre salle de bain. C'est pour mettre sur Facebook. Pourquoi il ressemble à un zombie? Enfin bref, c'est grave. Parce qu'on est... Oh, il y a quelque chose sur ce torse flottant. J'ai une plaque de calice. Bon bah c'est ça. De calice. Oh, en haut, au cas où il y a quelque chose. Des lumières blafardes. C'est une sauvegarde. Une sauvegarde. Oh. Check ça. C'est bien. Sauvegardons maintenant. La sauvegarde, et là il y a un ennemi. Genre on va sauvegarder, après on va avoir un ennemi, on va... 492 kilo-octets, vous rendez-vous compte de la lourdeur de la sauvegarde? Ça veut dire qu'on a presque fini. Oui. Que
je vais bientôt pouvoir me gratter les couilles tranquille, en ne pensant plus à ce jeu. Ok. Ça n'a pas l'air à sa place. J'ai une bougie éteinte. Ok. Pourquoi ? Ça n'a pas l'air à sa place. Donc je prends cette boisson de soin. Et là, oh, du pognon, ça n'a pas l'air à sa place. Mais mon dieu, c'est une pomme de terre, elle n'est pas à sa place. Faut que je la ramène au champ. Il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur. C'est un zombie. Non, c'est un prêtre. Ils savent peut-être ce qui se passe par ici. Hein ? Parlez. Non, mais parlez au parloir, comme à l'église. Hein ? Je fais la voix de Georges. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Ma dernière confession remonte à 4 ans. En fait, j'ai rien à doubler, moi. C'est toi, ça. Hey, mon père, j'ignore même si vous pouvez m'aider. Je suis perdu, ma foi est tellement hors d'atteinte et je sombre toujours plus profondément. Qu'avez-vous fait? Ou pourquoi Dieu devrait-il s'en soucier? Qu'avez-vous fait? On doit en savoir plus. Qu'avez-vous pu faire? C'est de si terrible. J'ai pris mon rôle de père et je l'ai transformé en tâche quotidienne. Le nourrir, le nettoyer et le mettre au lit. Je traitais le chien avec plus de respect, et quand on m'a donné un second fils, le premier aurait pu être un étranger qui dormait dans notre maison. Je fais le grand-père maintenant. Il semble que vous puissiez changer. Et vous n'avez pas l'air désolé. Il semble que vous puissiez changer. Oui. Je pense qu'on peut commencer à aimer son fils à tout moment. J'aime mon fils, mais mon père, j'aime mes deux fils. Mais j'ai dû faire un choix. Et la seule façon de le supporter était de m'assurer que mon fils ne m'aime jamais. Je devais m'assurer qu'il ne ressente jamais de joie ou de compassion. J'ai pas dit tout le texte, c'est chiant. Toutes les choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Vous devez comprendre, j'essayais seulement de rendre mon fils heureux, je sais pas. Si vous voulez vraiment être pardonné, vous l'êtes déjà. Merci, mon père. Et maintenant, j'ai quelque chose. Je n'ai pas besoin de toi. Quoi ? Explose le père avec un bazooka. On peut plus parler. Mais c'était mon père. Ah non, c'est mon. J'ai une plaque de l'homme à genoux. Il nous a donné une plaque, c'est bon. Eh, t'as une. Y'a pas là-bas, là-bas ? Non, c'est bon, c'était où il y a la bougie mystérieuse. Oh ! La chaise ! La chaise, je rêve, elle a tombé. Elle est tombée. Écoute, c'est incroyable. Écoute, je sais que t'as jamais vu ça. Tu dois te relever de tous ces... les ennemis. C'est un extrait d'un psaume. Je sais pas ce que c'est. Un joueur de foot qui s'appelle psaume. Béni soit l'homme qui n'écoute pas le conseil du malin. Ou qui fait obstacle au pécheur. Ta gueule. Allez, ou qui prend la place des... On s'en tape. On s'en tape complètement. Les pêcheurs de crevettes sont morts. Béni soit Jésus pour avoir fait ce jeu de merde. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fout là? Sprint. Non, non, t'es obligé de le tuer. Et oh. Ah ouais, à moins que... Tu ne peux pas te baisser. Ça serait possible. Alors, est-ce qu'il peut se baisser, lui? Ah, ils la gueule est... Ils sont deux, en plus. Vous êtes cons, maintenant. Vous avez l'air cons, en tout cas. Mon fusil à pompe vous donnera beaucoup de plaisir. Elle, la porte est ouverte ou quoi? C'est une statue portant quelque chose. On dirait qu'il manque quelque chose. Ah oui, d'accord, c'est... Mais comment tu veux le poser, la bougie, là? Bah, tu sélectionnes la bougie. La bougie. Où est la bougie? Là. Utiliser. Oh. Emmanuel. Alléluia. Je suis une vierge. J'ai une plaque de la bougie. Bon, tu peux aller à droite, maintenant. T'as un truc à droite. Oh mon dieu. D'accord. C'est quoi ça? Alex, Alex. Eh. Ok. Il y a son qui bug, hein. Pour un petit info. Et encore une boisson. Bon, on en a deux, hein. Je vais utiliser une boisson énergisante, hein, parce que bon... T'as raison, mon fils. Hein? T'as peut-être à examiner les choses, là. Oui. T'es con.
Merci. Les trois tableaux assemblés forment une scène où un homme étudie une femme mystérieuse. Ouais. Une inscription sur l'image du milieu indique rite du printemps. Je vais commencer à bander. Okay. Le tableau du milieu représente un vieil arbre mourant. Ça me rappelle l'arbre dans l'atrium de l'hôtel. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il raconte sa vie. Et pourquoi je peux plus bouger là? Mais va voir le guerrier. Ah. Là, je pouvais plus bouger et j'ai fait croix et voilà. C'est une peinture. Pas ça. On a juste débloqué, mais. Pas ça. C'est les pires ennemis du jeu. Bah, c'est tranquille là plutôt. Sortez un par un. Vous pourrirez sous mon pied. Voilà. Ils ont pourri sous mes pieds. Ta semelle va pourrir. Un homme est déteint ici, retenu par les racines de l'arbre. Ses yeux sont fixés sur la femme du premier tableau. Il est amoureux. Donc voilà, je suis obligé de faire ça. Oh yeah. C'est la magie vaudou. Regarde le dernier. La femme. Les amis. Oh non. Putain de merde. Ce jeu est hard. D'où tu viens, toi? T'as réussi à passer en dessous? Arrive dans le cul. Oh, attention. Utilise une boisson de santé. Allez, vas-y. Ah, t'as lui un tronc. Oh yeah. Esquive. Il a rien compris à sa vie. Et c'est bon. Alors, ça, les munitions... Fusil d'assaut. Le fusil d'assaut, une nouvelle arme du jeu. J'ai une trousse de premier soin. On n'a pas de fusil d'assaut. Cela représente une scène où un chevalier est poignardé dans le dos par un bourreau. Un bourreau des cœurs. Le chevalier a-t-il fait quelque chose pour mériter ça? Le vitrail du milieu a quelque chose, juste en dessous. C'est ce que j'ai pris, c'est la trousse de soin. Ah non, c'est là. Mon Dieu. Ok, il y a King Kong qui est arrivé d'un coup. Hein. C'est bizarre. La texture. Aïe, non, c'est pas la fin. Bon bah je crois qu'on va avoir une phase de gunfight. Sachant qu'on a presque plus de vie, mais on a des munitions, non? On a une trousse de soins. On a encore 4 munitions. C'était pour ça qu'il y avait une trousse de soins, je pense. Vaut mieux utiliser le fusil à pomper, parce que là ils sont un peu nombreux. Ils sont deux quand même, et c'est deux King Kong. Ça peut faire mal. Putain, mais je peux plus bouger là. C'est énorme. Mais fais L1 là, parce que t'es en train de te faire chier. Ici. Enfin, voilà. Ok. Que t'as rien compris à ta vie. Quoi? What the fuck? Prends une trousse de soin. Trousse de soin. Voilà. C'est un peu fort. Je peux plus me lever. Mais en fait, il sent rien. C'est pas possible. Tu crèves un jour. D'accord. Comment on change d'arme dans le menu pause? Ah ouais. Le couteau, c'est toujours meilleur, je sais pas pourquoi. Ça inflige plus de dégâts. Quand t'as le temps d'en infliger plus. Parce que la hache. C'est un peu de la daube, la hache. Ouais. Mais c'est quand ils crèvent. Ils sont super costauds en fait. Dieu soit. Enfin sac à HP immonde. Ok, il s'est retourné comme un con. Ok, il veut faire un bisou au barbelé. Voilà, c'est magnifique. Cet ennemi ne représente rien. À part un éléphant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Enquêter? Il est écrit ici. Donc maintenant, on les pose tous au pif, quoi. Non, je parie qu'il y a encore une ligne de merde. C'est ça? Je sens l'énigme de merde. Je la sens venir. Reprenez, c'est pas bon. Retour. Mais non, mais faut que tu lises les textes. Reprenez. Reprends-les tous. Mais il veut plus la reprendre. Reprends-les tous. Voilà. Alors. Il est écrit. Pen. Alors, en plaque de l'arbre, plaque du calice, plaque de l'homme à genoux. Le calice. Bougie, non. La bougie. Non.
Ah, l'épée, non? Non, 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 Oliver. Bon, alors on s'en fout, on va faire... Il est écrit Désir. Ah, c'est la femme. Calice, non? Non, attends. Plaque de l'homme à genoux. Non, ça c'est des espoirs. Plaque de la bougie. Non. Bah c'est la peine alors. C'est... L'homme à genoux. Il est écrit pénitence. Pénitencier, je sais pas ce que c'est. Sacrifice. Sacrifice, plaque du calice. Calice. Sacrifice et plaque de l'épée. Je sens. Vengeance, c'est... Ah non, c'est peut-être vengeance aussi. En fait, l'épée, c'est tout. C'est... Sacrifice, c'est... Je sais pas, calice, si c'est calice. Calice. Désir. Bougie. Si. Non, je vais essayer. Attends. C'est quoi celui-là? Plaque de pénitence. C'est peut-être le calice, hein, c'est ça, je sais pas. Vas-y. Du coup, le calice. Le calice. Calice. Désir, c'est... Bougie. Sacrifice. Arbre. En fait, ça. À part si tu le si tu passes la tronçonneuse dessus, il n'y a pas de sacrifice, je comprends pas. Attends, on n'est pas des bûcherons. Hein. C'est quoi sacrifice? Attends, ça laisse-moi faire. Je sens que ma méditation va me servir à quelque chose, enfin. Après des années. Le désir, c'est pas l'arme. Tu désires pas un arbre, c'est idiot. Oui, on sait que t'es en ligne. Hors ligne. Du UCP, je connais même pas. Du UCP. Plaque de l'arme. En fait, c'est quoi lui, là? C'est la famille. Désir. C'est du UCP. On est parti pour tester un jeu sur Silent Hill. Il faut être un bougle d'idiot pour jouer à ce jeu. Mais moi, j'en suis. C'est toi. La mafia tout entière aime ce jeu. Plaque de la bougerie. Sacrifice. Plaque de l'arbre. Plaque de calice. Plaque de l'inventaire. Plaque de l'arbre. Est-ce que la méditation va... Ah, attends. Ah non, j'ai cru qu'il y avait des trucs sur la droite et la gauche. Des petits indices. Non. Il n'y a pas d'indice. La peine. La peine, c'est la bougie. Non. Peut-être la bougie, au pire. Hein. Pour le désir, pour le pire. Princesse. Non, rien. C'est pour... Ok. Et pourquoi les textures sont pas belles? Tu ne m'as pas remarqué depuis tout à l'heure. C'est naturel dans ce jeu? Oui, c'est naturel dans ce jeu. Tout à fait. Le désir, c'est... Il n'y a pas la femme. Ah oui, c'est un peu dépassé ce que vous dites. Vengeance, c'est l'épée. La vengeance, c'est l'épée, oui, bien sûr. Le couteau. Peine. Le poignard. Le couteau de cuisine. T'as mis désir dans... T'as mis l'homme dans le désir. Le désir, c'est... La boue. On va mettre l'arme. Désirer avoir un arme, oui, c'est bon. Ah. C'est quoi ça? Pénitence. Le calice. Ah, on va changer de façon après la calice. Et là, ça marche. En fait, j'ai fait retour, c'était pas marché. Pénitence, bougie, même si c'est n'importe quoi. Sacrifice. Oui, mais des fois c'est un peu n'importe quoi le jeu. Donc... Et pourquoi l'épée on pourrait pas la changer, même si c'est un peu idiot. Le désir, l'épée. Allez. Pénitence. Tout à fait. On va mettre l'épée. Parce qu'on sait pas ce que c'est, pénitence. Ouais. C'est magnifique. On va pas mettre la bougie, vengeance, parce qu'on peut pas se venger avec une bougie. Tu peux te manger avec un calice alors. Ouais, je pense. C'est une espèce de verre quoi. Le calice. Et je pense qu'il faut tourner le couteau à un moment. Bah déjà qu'on tourne avec le couteau pour essayer. Non, on peut faire que enquêter et arrêter.
au retour. Je pense que je vais méditer. Continuez à faire la conversation. Merci. La méditation est toujours une bonne chose. Ah, nous sommes déjà à 40 minutes. Alors, on va tout enlever, hein, on va tout recommencer. On veut se concentrer. Il est écrit paix, peine et désolation. Car, je sais pas. Le calice, hein. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Il est écrit désir. Le désir d'avoir une épée. Le désir, je sais pas moi, plaque de la bougie. Plaque de l'arbre. Attends. Il est écrit sacrifice. Pénitence. Alors, je sais pas si c'est peut-être l'arbre. Sacrifice. L'homme à genoux, je sais pas. Non, c'est la peine, l'homme à genoux. C'est la peine. Voilà, peine, c'est l'homme à genoux. Là, il est écrit sacrifice. Je mettrais. C'est sûr que les sacrifices, ça peut être épais, hein, peut-être. Là, il est écrit vengeance. Le carlis. Il est écrit désir. Le désir d'avoir une bougie, voilà, c'est bien. Et rien ne se passe. Mais que vois-je? Une illumination? Une... Non, je rigole. En fait, je sais pas. Il est écrit vengeance, il est écrit machin... Sacrifice. Attends, la peine, pourtant, ça peut être le gars, là, l'homme à genoux. Ah non, c'est peut-être sacrifice. Je pense que c'est sacrifice. Je sais pas pourquoi, mais... Grâce à une dilatation, je vais pouvoir vous aider. Dilatation. Ma méditation. Oui, méditation. Je pense que l'épée, c'est la vengeance. Certes. Oui. Je pense que le désir... Le sacrifice, c'est pas l'homme à genoux. Je pense que le désir, c'est l'arbre. Car on désire tous avoir un arbre dans son jardin, Oliver. Oui, c'est vrai. Je pense que... La pénitence. C'est le calice ? C'est... Je pense que la pénitence, c'est l'homme à genoux. Car l'homme à genoux s'abîme les genoux. C'est une pénitence. Je pense que le sacrifice, c'est la... La bougie ? Le calice ? C'est le calice. Car quand on boit de l'eau, on sacrifie l'eau. D'accord, le calice. Je pense que la peine, c'est la bougie. Je pense que j'ai gagné. Oh yeah. Alors en fait... Ah, c'est son père. Oh putain, il est super mal modélisé. Mais non, c'est parce qu'il a tête baissée. Mmh. Bon allez, on va lui foutre une balle. Il va être écartelé, c'est ça aussi. Ça va être la même chose, t'es. La même scène. Attends. Tu fais le père. Ok. Ici, il part. Hein. Ouais. Papa. Alex, que fais-tu ici? Je suis venu sauver Joshua. Joshua, tu ne peux pas le sauver. Tu dois sortir d'ici. Arrête de me donner des ordres, papa. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Je te déteste. Ça va, je ne t'en veux pas. Je ne te déteste pas, je t'ai oublié depuis longtemps. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, fils. J'ai dû faire un choix. Et je le paye maintenant. Nous le payons tous. Après tout ce que j'ai fait, tu portes encore mes vieilles. Oh non. L'identification, ça doit vouloir dire quelque chose. De quoi parles-tu? Ce sont les miennes. Je suis un soldat. Comme tu voulais. Alex, tu as été à l'hôpital. Je sais. J'ai été blessé au combat. Non, un hôpital,
psychiatrique. Mon Dieu. Tu y étais depuis l'accident. Non, ce n'est pas vrai. Je suis un soldat. Je protège les gens. Nous avons dû t'emmener là-bas, après cette nuit, après que j'ai donné ça à ton frère. C'est calme. Trop calme. C'est quoi ce truc? Qu'as-tu fait? Où est Joshua? Alex, pardonne-moi. Non! C'est ainsi. Bon bah, il s'est fait écarteler d'une autre façon. Hein. Oui, disons qu'il va passer à la charcuterie. Mon Dieu, c'était mon père. Mais tant mieux. Oui. Et dis-moi pas qu'on va devoir affronter ce boss. Car j'ai peur de perdre. En fait, il est gore ce genre. On s'en fout. Je peux aller l'affronter? Attends, il y avait en bas à droite la boisson de santé. Donc voilà, à un moment j'étais mort de rire parce que Firefly faisait tellement bien le personnage Alex. C'est vrai. Voilà, avec sa détermination incroyable. Faites gaffe, Firefly est dans la place. Il est dans les mines. Il est dans le charbon. C'est ici qu'a travaillé mon père. Comme un esclave. Il a sué dans ses murs. Et à côté, j'étais dans un hôpital psychiatrique. Depuis le jour que j'ai pissé mon lit. Dans mon lit. C'était grave pour tout le monde. À l'âge de 20 ans. Tout le monde savait que je dormais avec mon doudou préféré. Tout le monde savait que j'étais un peu attardé. Mais moi, je le savais pas. Et puis, quand les gens ont découvert que je jouais encore à la NES à 20 ans, c'était... la chose qui a fait déborder le vase. Oh. Ok, merci, hein, Firefly. Merde, je perds de la vie à cause de l'eau. C'est quoi ce bordel? Non, c'est du gaz, hein, je pense. Oh, ce costume pourrait me protéger. Ah, tu vas ressembler au gars d'avant. Ah, loul. c'est la même skin qu'avant, que les ennemis. Je rêve où les textures sont franchement PS2. Attends, on est sur PS2 là, donc ça peut aller. Ah non, c'est vrai, PS3. Je commence à l'oublier des fois. Ah, il y a un petit interrupteur, un petit bouton. Il y a un masque à gaz. Ah. Oh, c'est... vous plongez. Vous êtes pas très bavard. Vous aimez votre boulot, soldat? J'adore ce que je fais. Réparer les choses, c'est mon don. Mais je sais maintenant où je vais. J'ai la précision. Oula. C'est un sniper. Mais Alex, parle. Parle. Respire. Il peut pas parler avec ce masque. C'est pas logique. On va passer cette cinématique dérangeante. D'accord. Tu voulais pas continuer de faire la voix du gars? Non. Ça me traumatise. Après tout... non, c'est que là, en fait, Alex, il est choqué d'apprendre que c'est... qu'il a des petits problèmes cérébraux. On est à 50 minutes de vidéo. Va-t-on continuer? Fiche-toi. Va-t-on continuer? On va peut-être continuons jusqu'à la mort. Une dernière de vidéo. Alex. Bon, on va faire encore 10 minutes. Non, d'accord. 20 minutes de vidéo. Pas plus. Ça sera une extension. Voilà, un patch. Un patch. Et j'espère que le jeu va bientôt être fini, car... et j'espère que le chargement va bientôt être fini, déjà. Et surtout. Car les chargements, ça fait partie de 20% de l'histoire.
Ah, bon d'accord, on a passé la cinématique comme ça et on sait même pas ce qui s'est passé. Ok, bah lui il a assommé ouais. Alex. C'est plus qui c'est. C'est peut-être le boss final. Ah, Barbie et le lac des signes. Oh. Un nouveau Barbie girl. Vas-y, vas-y, fais le montage. Je devrais m'appeler Margaret. Tu es tellement... J'ai trouvé Eve, mais j'ignore ce qui est passé. Je suis désolé. I'm sorry. Moi aussi, je suis désolé. On essaie du mieux qu'on peut d'élever un enfant. De lui inculquer des valeurs. Moi, j'ai des cornichons. J'ai des valeurs. J'ai un gros fessier. J'ai des valeurs. On veut qu'il soit, qu'il soit lui-même, mais on espère qu'il se... Ce qui sera toujours du plus important, la famille. Oh! Ah, ce doublage de merde! Attends, c'est à moi, c'est à moi. Et on fait tirer. Oula, des scies circulaires. Qu'est-ce qui se passe? Ici, juste. La famille, est-ce qu'il y a un porte le plus, Alex? Je ferai n'importe quoi pour les protéger. C'est elle la méchante. Je le savais. C'est pour ça que j'ai sacrifié ma fille. Et que je vais te sacrifier, toi. Quoi? Les fondateurs, ils avaient de bonnes intentions. Ils ont quitté l'ordre pour commencer une nouvelle vie. Cher père, Glenn. Je sais pas ce que Glenn. Mais Glenn est notre dieu. Ils ont donc fait un pacte pour nous garder en sécurité. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je raconte ma life avec les mes magnifiques ombres. Tout ce qu'il fallait faire, c'était un petit sacrifice. Te tuer toi? Ah non, nous en. Bon, elle va le dire tôt ou tard. Tous les 50 ans, les familles fondatrices doivent faire une offrande pour apaiser le dieu. L'un de nos enfants, notre propre chair et sang, terrassé par nos propres mains. Oh. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai vu les yeux de Nora s'assombrir quand j'ai pris sa vie. Hey. Et j'ai aimé ça. Tout en sachant que sa mort protégerait notre famille. Protégerait, cher père, machin. Mon dieu, Josh! Non, Alex. L'un d'entre nous a échoué. Il n'a pas eu la force d'accomplir son devoir. C'est son père. Your father! Où est Joshua? Ne vois-tu pas, à cause de lui, tous nos sacrifices ont été faits en vain. Le pacte avec notre dieu a été brisé, et le manque de conviction de ton père nous a tous maudits. Vas-y, t'es à fond dans ton rôle, vas-y. Donne tout. Notre seul espoir est de faire revivre l'ordre de nos fondateurs. Avait abandonné la vraie foi. C'est une vraie barbica. En kidnappant et en tuant. On rappelle qu'on n'est pas dans un nanar, mais dans un jeu d'horreur. Tuant. D'accord. Et elle, tu vas aussi la tuer? Il y a une boisson de santé au fond. J'ai essayé de le faire. Mais elle est comme toi, Alex. Elle pense encore que le bien et le mal existent. Ce qui existe, c'est que le néant. Et ça n'existe pas, c'est seulement une question de chaos et de l'ordre. Et d'or. D'or. Oh. Hein, le beau gosse d'avant. Avec sa voix canadienne. Comme l'a fait si bien Fireflame. Montre à ma fille le prix de sa désobéissance. Vous venez m'embaucher, madame. Ah. Ferme les yeux. Ah. Bon, comment ça s'utilise ce truc? C'est une scie sauteuse. Pour couper du bois. J'ai jamais coupé de bois, comment ça s'utilise ce truc? Là, une perceuse. Cherche. Ouais, dégueulasse. Oh, c'est intéressant, pour percer les yeux. Ne fais pas ça. Écoute, je peux t'aider dans tout ça. Tu dois bien voir notre moyen. Non, Alex, il est temps de terminer ce que ton père n'a pas pu faire. Oh putain, on va faire les yeux en plus. Hein. Ok, c'est encore pire, elle fait la partie intime. Là, non, c'est la jambe. C'est ça. Ouais.
Et quoi. Ok, il y a un blocage. Il y a eu un lag. Ah, faire les IE, je savais. Vite. Appuie sur QCM. Il y a rien. Carré. En pur. Ouais, c'est nul. Bon, bah, on va continuer la suite. Je suis désolé pour cette horreur. Et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures. Oliver, le à la voyure pour de nouvelles aventures. Avec Fire Flap.